J'invite, voilà, je ne sais pas si elle est là, Nadia, et qui va nous donner le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et elle a eu en parler samedi dernier, après le programme de réveil. On a fait une émission, on a improvisé une émission de quelques minutes. Et c'est terrible ce que le Seigneur a fait dans sa vie, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu. Et je crois que ceux qui doutent encore que l'enfer existe seront bien, bien interpellés. Donc, c'est une personne que le Seigneur cherche depuis très longtemps. Elle a refusé l'appel du Seigneur pendant longtemps. Elle a fui le Seigneur et Dieu est allé la chercher. Et voilà. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Bonjour à tous. Je m'appelle Nadia et à mes côtés, c'est ma petite sœur Gloria. Je lui ai proposé de m'accompagner dans ce témoignage parce qu'elle aura beaucoup à dire aussi. Alors, je vais essayer vraiment de vous expliquer ce témoignage très douloureux, très émouvant pour moi en tout cas, du mieux que je peux. C'est une longue histoire. Donc, c'est le témoignage d'un châtiment que Dieu m'a fait subir il y a quelques mois en fait, hein. Donc, comme dit l'apôtre Chora, Dieu me cherche depuis très très longtemps et je n'ai jamais répondu à ses appels. Dieu est un Dieu lent à la colère, comme on dit, mais au moment où il sévit et ça fait mal. Je vais peut-être commencer par introduire un peu le contexte de vie dans lequel je vivais avant que Dieu m'appelle, avant que je donne ma vie au Seigneur. Donc, j'ai commencé ma vie de couple déjà très très mal. Donc, j'ai deux enfants. Je n'étais pas mariée quand j'ai eu ces enfants. Donc, je vivais dans une relation hors mariage, ni bénie par le Seigneur, ni bénie par la famille. Parce que la famille était contre. Je me suis entêtée. Je suis partie très tôt de la maison, enceinte. Et j'ai eu une vie de couple, quand on n'a pas le Seigneur, vous imaginez la vie de couple qu'on peut avoir, très très chaotique, qui se soldait par des violences physiques et verbales, par des tromperies, des infidélités à tire-larigot, par des séparations, des réconciliations, etc. Enfin, c'était vraiment le chaos total, et cela pendant des années. Jusqu'au jour où, il y a 4 ans, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur parce que j'en pouvais plus. J'avais des envies de suicide pendant ma relation de couple avec le père de mes enfants. J'étais tout le temps dépressive, donc j'étais dans l'alcool, j'étais dans la cigarette, mais vraiment plus, parce que je fumais beaucoup, énormément. J'avais un esprit de colère tout le temps en moi et j'étais tout le temps en dépression. Donc sous cachet, antidépresseurs et compagnie. Alors il y a 4 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, donc je me suis fait baptiser dans une église. Et là, j'ai commencé une vie de méditation donc avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné des réponses par rapport à ma vie de couple que je menais. Et il m'a fortifié, il m'a donné le courage de quitter donc le papa de mes enfants. Donc je l'ai quitté, je suis retournée en famille. Et il a pris son chemin et j'ai pris le mien. Donc voilà. Mais le Seigneur m'a sorti d'un péché, mais je suis retournée dans un autre péché. Je me suis attachée à un homme qui était marié. Donc j'ai commencé, au bout des 2 ans de séparation avec le père de mes enfants, j'ai rencontré un homme. Cet homme était marié. Donc je le savais dès le départ. Donc c'était même pas une cachotterie de sa part. Donc voilà, donc je me suis vautrée encore dans un péché. J'ai eu cette relation pendant 2 ans avec cet homme marié, tout en continuant évidemment ma vie de prière. J'étais un peu une chrétienne volante, j'allais dans toutes les églises, hein, notamment ICC, une fois chez ICC, une fois à la Nouvelle Jérusalem. Je faisais toutes les églises parce que je me disais Dieu est partout, donc je peux prier n'importe où. Et dans cette relation, Dieu m'a interpellée plusieurs fois par le canal de différentes personnes. Donc des frères,
Je suis de Bruxelles, hein, au fait, donc ça je ne l'ai pas précisé. Donc il y a une assemblée à Bruxelles et donc deux frères m'ont interpellé par rapport à ma relation. C'était Dieu qui parlait. Je me suis entêtée en disant mais non, etc. Je n'y croyais pas. L'apôtre Chora aussi m'a interpellée deux fois, je pense. Il m'a délivrée même d'un esprit de mort. Mais je me suis entêtée. J'ai continué avec cette relation adultère. Il m'a interpellée au travers de ma sœur aussi. Je n'ai pas écouté. Je disais, mais non, c'est le Seigneur qui veut aussi, etc. Enfin, j'étais vraiment très voilée à ce moment-là et je n'ai pas écouté le Seigneur. Et donc, au mois de mai, la semaine du 20 mai, j'ai commencé à me sentir très bizarre. J'ai commencé à être animée d'un zèle excessif. J'étais hyperactive. Je parlais, j'avais un débit de parole très intense. Les gens ne me comprenaient pas. Et même dans le cadre de mon boulot, mes collègues me disaient mais enfin, Nadia, tu as beaucoup d'énergie. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es en dépression? Et moi, je disais, mais non, tout va bien. Je pétais la forme, etc. Mais on voyait très bien que j'étais déjà animée d'esprit qui me tourmentait, en fait. Le 28 mai, c'est ce jour-là où tout a basculé, où j'ai su que j'étais prise par des esprits démoniaques et sataniques. J'ai commencé à perdre la mémoire et j'ai commencé aussi à devenir folle, en fait, à perdre l'esprit. Et donc ma famille remarquait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et en même temps, j'écrivais beaucoup. Donc j'étais aussi habitée par le Saint-Esprit, parce que tout ce que j'ai écrit, j'ai quelques phrases, je pense que dont je dois parler, parce que je pense que c'est pour le peuple de Dieu. C'est Dieu qui m'a guidée dans ces phrases-là. Donc c'est des phrases que je ne peux pas garder pour moi. C'est des messages qui viennent de Dieu. Donc j'écrivais beaucoup, notamment je disais, je perds ma mémoire, je m'en vais avec mes péchés, garder mes filles, c'était comme un testament. Moi je me souviens même pas, hein, je me suis souvenu de tout cela lorsque je suis sortie de l'hôpital, parce que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà, pour revenir au 28 mai, j'ai commencé à perdre la tête et perdre la mémoire ce jour-là. Et ma mère m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on appelle des frères pour prier pour toi? J'ai dit oui. On a appelé. Excusez-moi. Dieu est grand. Gloire à Dieu. Publiquement ici, je lui dis pardon. Et il m'a fait grâce parce qu'aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir vous parler parce que j'étais morte. Donc ses frères sont venus prier à la maison. Et là, j'étais folle, quoi. Ça, c'est un témoignage que plus ma sœur pourra vous donner, parce que je ne me souviens plus tellement de ce qui s'est passé. Je sais que j'étais tourmentée par des esprits et je perdais la tête. Et un des frères a dit à ma sœur, on ne peut rien faire, c'est un châtiment de Dieu. Donc ça, c'est un châtiment pour toute votre famille. Ça ne concerne que la famille. Aucune personne extérieure ne peut la sortir de là. Il n'y a que vous. Ses frères sont partis. Et on a rassemblé toute la famille. Donc ma sœur ici, ma mère, mon frère, ma belle-sœur et ma fille, l'aînée. Pas la petite. La petite n'a que 13 ans, mais l'aînée a 19 ans. Donc on a estimé que bon voilà, elle était en âge adulte et que ça la concernait aussi. Donc toute ma famille a mis les genoux par terre. Et au fur et à mesure des prières, ma folie augmentait. Et donc il y a un passage que j'ai oublié, hein. J'essayais vraiment de vous restituer les choses parce que tout était embrouillé dans ma tête jusqu'au moment où j'ai su que je devais témoigner. Donc le mardi 28 avant que je perde totalement la tête, j'ai quand même été travailler sur le chemin du boulot. J'étais dans une folie, mais je ne m'en rendais pas compte. Et il y avait des démons qui me poursuivaient, en fait. Donc Dieu m'a fait grâce, en tout cas, d'avoir des yeux spirituels ce jour-là. Donc j'ai vu l'autre dimension
du monde, si vous voulez. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais sur Terre sans être sur Terre. On dirait que j'étais dans une autre bulle, dans une autre dimension, où il y avait des démons humains. Mais je savais que ces gens-là, il n'y avait que moi qui les voyais. Et ces gens-là me poursuivaient, en fait. Et j'ai été téléguidée de gauche à droite. Je suis arrivée au travail. Ce jour-là, je n'ai pas travaillé, je n'ai fait que prêcher la parole de Dieu. Et je vous assure que même maintenant, je suis une nouvelle convertie, je ne connais pas la parole de Dieu. J'ai fait mon baptême, et là, c'est une petite parenthèse que j'ouvre par rapport aux églises et aux pasteurs, qui ne donnent pas l'explication de ce que c'est le baptême. Quel engagement on a vis-à-vis du Seigneur quand on se baptise. Donc, définir ce que c'est le baptême, l'engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu, ça je ne l'ai pas eu, et la vie de sanctification qui suit le baptême. Donc moi je n'ai pas eu tout ça dans l'église où j'ai fait mon baptême. Donc pour moi j'étais baptisée et j'ai continué ma vie délabrée de péché sans me dire qu'il y avait une sanctification, qu'il y avait des commandements à suivre. Donc où est-ce que j'en étais? Quand je suis arrivée au travail, j'ai prêché la parole de Dieu. Je connaissais toute la Bible par cœur. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu auprès de mes collègues. Et mes collègues voyaient très bien que ça n'allait pas mentalement, quoi. Donc, ils m'ont laissé prêcher. Puis, une collègue m'a dit, tu sais, je pense que tu es en dépression et en burn-out, que tu commences à être atteinte de folie. Il vaut mieux que tu rentres chez toi et que tu ailles voir un médecin. Et moi, je disais, mais non, tout va bien, j'aime le Seigneur, c'est tout, c'est parce que vous êtes des incroyants, enfin bon. Bref, je suis sortie du travail en me dirigeant vers un endroit, mais je suis arrivée à un autre endroit. Donc j'étais vraiment téléguidée par des esprits démoniaques, en fait, qui me poussaient au suicide. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas moi. Bien sûr que si. Tout est ma faute. L'accident de voiture. Le feu. La mort de mon frère. Je fais du mal à ceux que j'aime. Je fais du mal à ceux que j'aime. J'arrête, ça suffit. Je ne mérite pas de vivre. Je suis maudite que je le veuille ou non. Je suis maudite que je le veuille ou non. Regardez là-haut! Je suis arrivée dans un immeuble, je ne sais pas comment, où il y avait toutes les fenêtres ouvertes, où plusieurs personnes, ces démons qui ressemblaient à des humains, que moi je voyais, me disaient, ben, y a un appartement qui est là, essaye de rentrer et voir, c'est pas toi qui veux visiter un appartement. Et moi, complètement troublée, perturbée, je dis, oui, ça doit être moi. Et je suis montée, c'était un appartement de 10 étages, je suis montée au 10e étage, il était libre cet appartement, et toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et je m'approchais vers les fenêtres, en fait pour me jeter, ces démons toujours derrière moi. Et Dieu est grand vraiment, parce qu'à ce moment-là, ma sœur m'a appelée, et elle m'a dit, où tu es? Alors j'ai dit, je sais pas. Elle dit, où tu es? Alors je dis, je sais pas, je suis dans une commune ici à Bruxelles et je suis dans un appartement. Elle me dit, alors je lui dis, c'est Dieu qui me dirige, je lui dis. Elle me dit, tout ce que tu fais là, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu, enfuis-toi de là, rentre à la maison. J'ai commencé à courir. J'ai laissé donc ces démons derrière moi, j'ai commencé à courir, j'étais enfermée dans l'immeuble, enfin j'ai su sortir de l'immeuble. Et je me suis enfermée dans une cabine téléphonique, en fait, où j'ai téléphoné à ma sœur, qui n'avait plus d'unité. Moi-même, mon portable, j'avais plus de batterie. Et là, je suis rentrée à la maison. Et ce fameux mardi, c'est le jour où ma délivrance a commencé, parce que là, j'étais atteinte
même pas folie, mais la folie extrême, ce qu'on appelle la schizophrénie. C'était, en tout cas, j'étais diagnostiquée quand j'ai été internée, schizophrène. Donc, on est resté 4 jours. J'ai eu 4 jours de délivrance et 2 jours de coma. De coma, enfin, mon âme n'était plus là. Je respirais, j'étais là, à côté de mes proches, mais moi, j'étais partie. Ce que Dieu, en tout cas, m'a fait grâce de voir, c'est que j'étais dans mon cercueil. J'ai vu ma tombe, j'ai vu que j'étais dans le cercueil, et à un moment donné, j'étais propulsée dans la galaxie, l'espace. J'ai vu quelques étoiles. Et je suis restée, j'ai l'impression que je suis restée vraiment dans cette galaxie pendant une éternité. Ça a duré et j'errais, mon âme errait, j'errais. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et il faisait noir. Et après ce que j'ai vu les ténèbres, donc une nuée très sombre. Et une nuée et la lumière en fait. Donc j'ai compris par la suite parce que j'entendais des voix. C'était vraiment les anges de Dieu et les suppôts de Satan qui se pas négocier parce qu'on ne négocie pas avec Dieu, mais le diable qui réclamait mon âme en fait et ma vie. Et il disait, mais enfin, c'est Seigneur, il y a un pacte qui a été fait. Elle n'a pas suivi tes voies. Elle n'est plus digne d'être appelée enfant de Dieu. Donc, elle est devenue mon enfant. Donc, voilà, il faut nous la laisser. Donc, c'était vraiment comme s'il y avait un combat spirituel entre les ténèbres et la lumière. Et à ce moment-là, je sais pas, un esprit démoniaque m'a pris et m'a demandé si j'étais prête. Et il m'a dit, regarde en bas, là-bas, le trou noir que tu vois, on va y descendre. Et là, j'ai commencé à crier. Et je criais réellement, puisque ma sœur m'a dit par la suite, quand j'ai retrouvé mes esprits, que Dieu est vraiment grand, il a tout fait, c'était vraiment sous son contrôle, parce que la manière dont tu criais... C'est pas possible qu'on n'ait pas eu des voisins qui sont venus à la maison pour réclamer des tapages nocturnes en plus, puisque ça se passait la nuit. Et donc cet esprit démoniaque m'a précipité dans le trou. Et en fait, j'ai vu de la terre. On descendait dans les profondeurs de la terre. J'ai vu beaucoup de terre et il faisait noir. Et je criais et il faisait noir. Et au plus on s'enfonçait, au plus je criais. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté, comme dans une espèce d'ouverture, comme dans une grotte. Et là, l'esprit m'a dit, est-ce que tu es prête? Parce que ici, c'est l'enfer. Et on va commencer à prendre... Je suis vraiment désolée. Hein. Comme je disais la fois passée, c'est quelque chose que j'ai enfoui dans ma mémoire. Je ne voulais pas témoigner à la base. Mais Dieu me pousse pour libérer son peuple. Donc je ne peux pas garder ce témoignage pour moi. Mais c'est ce que j'ai vécu est très douloureux. Donc cet esprit démoniaque m'a expliqué que voilà, ici c'est l'enfer. On va commencer à atteindre le premier niveau. Et il m'a expliqué qu'il y avait 7 niveaux en enfer. Et que là, on allait commencer au premier niveau. Donc, il m'a amené au premier niveau. Moi, je fermais les yeux et je disais non, non. Et je criais au Seigneur. Je disais Seigneur, Seigneur, non, pardon pour ce que j'ai fait. Je me répentais. Et l'esprit démoniaque me disait, c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà, ça, c'est le premier niveau. Et là, j'ai vu des bêtes horribles comme des serpents, des scorpions, enfin des bêtes qui sont même pas, qui n'existent pas sur cette terre. On est descendu au deuxième niveau. Il m'a dit, voilà, ça c'est le deuxième niveau. Moi, toujours en train de crier, non, je veux pas, Seigneur, Seigneur, libère-moi. On est descendu au troisième niveau. Et au troisième niveau, il m'a montré une personne
une personne qu'on châtiait, en fait. Donc, cette personne était un homme, et cet homme recevait des coups de couteau. Et à chaque coup de couteau qui transperçait son cœur, il ne mourait pas. Il ne mourait pas, le sang giclait, cette personne, cet homme pleurait, criait, et la plaie se refermait. Et puis, il re-recevait des coups de couteau toujours au même endroit, et le même processus se re-répétait et se re-répétait. Et cet esprit démoniaque me disait, tu vois le châtiment, ça c'est éternellement. C'est éternellement que cette personne-là va être comme ça, en tout cas trucidée par ce couteau. Et je criais, je disais, pitié Seigneur, Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai fait. Et pendant ce temps-là, ma sœur me disait que effectivement, il y a eu des moments où tu étais par terre, à genoux, et je demandais pardon au Seigneur, et eux ne comprenaient pas. Et en fait, c'était ma descente aux enfers. Je suis arrivée au quatrième niveau, et cet esprit m'a expliqué que le quatrième niveau était le niveau de mon châtiment à moi par rapport au péché dans lequel j'étais. Donc péché sexuel, hein, puisque j'ai été condamnée par rapport à ça. Et là, on m'a prise et on m'a mise sur une espèce de grande pierre. Je ne sais pas si vous voyez au temps, je pense, du Moyen-Âge, où on châtiait les gens, on mettait les gens sur une pierre et puis on les tirait, on les écartelait avec des lanières. Donc j'étais sur ce genre de pierre-là. Il y avait d'autres filles, il y avait que des filles à ce niveau-là. On m'a mis sur cette pierre, on m'a ligotée et on m'a laissée là. Et tout ce que je voyais là en dessous de mes pieds, donc la pierre était debout, hein, pas couchée. Donc j'étais vraiment contre un mur. L'enfer ressemble à une grotte, en tout cas là où j'étais, au niveau... C'est une grotte en fait. C'est une grotte où il fait sombre, où il y a du feu à gauche et à droite. C'est un endroit très lugubre où on n'entend que des cris, des cris d'épouvante qu'on n'a jamais même entendu dans des films d'horreur. Et moi je criais, on criait avec toutes les filles. Et les démons venaient, me touchaient, me pressaient à mes parties intimes. Et l'esprit m'a expliqué que ton châtiment c'est d'être ton châtiment c'est d'être violé éternellement. Et j'étais violée par un démon, que je pense être Satan, il ne s'est pas présenté. On était toutes violées par ce même démon. Et naissaient des enfants de ces relations, en fait. Tu n'as pas le temps de dormir en enfer. Tu ne dors pas, j'ai cru que j'y étais depuis des siècles. Et c'est sans arrêt, on ne ferme pas les yeux en enfer. On n'a pas un temps où on peut se dire, ah, mon bourreau est parti, je peux un peu fermer les yeux et je dors. Non, c'est sans cesse, c'est sans arrêt. J'ai pas vu le cinquième, sixième et septième niveau. Tant mieux. Parce que moi, mon châtiment s'arrêtait là, en fait. Hein. Donc, comme j'ai expliqué, en fonction du péché dans lequel on est, c'est ce que j'ai compris, c'est ce qu'on m'a expliqué en tout cas, c'est ce que l'esprit m'a expliqué, il y a des niveaux. Il y en a sept. Et vous vous rendez compte le niveau où moi j'étais, plus que la moitié, quoi. Enfin, j'étais presque au niveau du septième pour moi. Donc le péché de l'immoralité sexuelle est un péché sévèrement puni. Et je priais quand j'étais en enfer. J'ai pas cessé de prier mon Dieu, j'ai pas cessé de demander pardon. J'ai déposé le pardon aussi auprès de la femme de cet homme. Parce que c'est vrai qu'on pêche contre Dieu, mais
dans les actes que l'on pose, il faut aussi voir la personne à qui on fait du mal, qui est aussi un enfant de Dieu. Donc moi, j'ai demandé pardon. Et puis un ange de Dieu est revenu me prendre et il m'a jeté près du parvis de notre Seigneur. Où là, je me suis repentie et j'étais à genoux devant le parvis. Voilà. Je ne sais pas si je suis passée à côté de... Oui. Et donc pendant mes songes et mes délires, je ne sais pas comment interpréter ça, mais bon, je vais quand même témoigner de ça. Je me suis vue, en fait, crucifiée comme Jésus-Christ, en fait. On m'a attachée sur une croix. Et cette croix a été mise dans une église catholique. On va comprendre, je ne sais toujours pas comment interpréter cela. On m'a mis dans une église catholique. Ensuite, cette croix s'est retrouvée à la maison, moi, dessus. Et quand je suis arrivée à la maison, je voyais tout le monde affairé, en train de faire ses valises, ma mère, ma sœur... ma belle-sœur, mon frère, les enfants, tous mes neveux, nièces. Il y avait deux frères aussi qui étaient là, de l'assemblée, et qui se préparaient. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et ma fille aînée m'a dit, maman, toi tu as choisi le mauvais chemin. Nous, on a donné notre vie à Christ, donc on part. Donc c'était l'enlèvement, en fait. Et moi, je pleurais, je disais, mais non, il ne faut pas me laisser, etc. Et là, j'ai vu toute ma famille se jeter sur moi et me coller au sol pour leur permettre, eux, de partir, en fait. Et donc, ils sont partis, ils ont fermé la porte, une soucoupe volante avec une grande lumière est venue, ils se sont propulsés dans les airs, tous. Et moi, je suis restée là, dans l'appartement. Et puis, tout d'un coup, ce qui s'est passé, enfin, c'était incroyable. J'ai commencé à voir que le soleil s'assombrissait, les ténèbres arrivaient, qu'il y avait comme des bombes qui commençaient à exploser de gauche à droite, et j'en regardais par la fenêtre. Il y avait des bêtes qui ressemblaient beaucoup à ce que j'ai vu quand j'étais en enfer, qui commençaient à monter de partout. Je regardais et... C'est par la suite, hein, en discutant avec la famille et en lisant dans Apocalypse, que je me suis dit que c'est l'Armageddon, quoi, en fait. Où les gens s'entretuaient entre eux, il y avait des démons partout, enfin quelque chose de vraiment horrible. Il faisait noir, il y avait du feu partout, il y avait des bêtes qui datent du temps des dinosaures, qui crachaient du feu, et... Et donc voilà, moi je restais en enfer, enfermée, et ma famille était partie pour l'enlèvement. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit, je ne sais pas si... Voilà. Bonjour, voilà, je voudrais remercier le Seigneur vraiment de nous avoir fait cette grâce de venir aujourd'hui pour témoigner. Et je remercie également le Seigneur de nous avoir fait grâce pour tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis ma conversion. Je suis convertie depuis 8 mois et ma famille priait déjà, en fait. J'étais la seule qui ne voulait rien savoir de Dieu. Non pas que j'y croyais pas, mais j'étais pas prête. Je vivais ma vie pour moi assez bien, parce que je travaillais, j'ai un petit garçon. Ne connaissant pas le Seigneur, j'ai été mariée et divorcée. J'ai un garçon de 12 ans. Et j'étais la rebelle de la famille. Je voulais rien savoir du Seigneur. Mais on peut monter, on peut descendre. Quand le Seigneur t'appelle, il nous a fait grâce. Et vraiment, je le remercie de tout cœur. Parce que ce qu'on a vécu avec ma sœur à la maison, c'était un châtiment pour tout le monde. Tout le monde vivait sa vie. Tout le monde ne s'occupait que de soi. Et je pense que le premier enseignement que Dieu nous a donné, c'était ça. Parce que nous avons un Dieu de famille qui aime la famille. Et
La semaine que ma sœur raconte ici, c'est une semaine terrible. Pour nous, ça a duré un an. Moi, j'ai l'impression de revivre seulement maintenant. Le Seigneur m'a donné la force de supporter tout ça malgré mon début de conversion. Parce que quand ça s'est arrivé, j'avais que 6 mois de conversion. J'avais le feu. J'allais aux enseignements tout le temps. Donc ça m'a permis de beaucoup comprendre ce qui arrivait, de saisir très vite par la grâce de Dieu. Tout ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, elle priait dans des églises de système. Moi, je ne priais pas du tout. Je supportais pas d'aller dans ces églises. Est-ce que c'est une grâce? Je ne sais pas. Mais il nous a permis d'avoir le message de vérité par mon biais. Donc c'est à ce moment-là que, à la maison, tout le monde vivait sa vie, mais c'était le repos. Les gens s'entendaient bien. Mais quand j'ai amené ce message de vérité, c'est devenu l'enfer déjà. Moi et ma mère, on se disputait tout le temps, pourtant on s'entend bien. Ma sœur commençait à dévier, donc elle passait du chapelet à Ave Maria, Sainte Marie, pour essayer de combler le péché dont elle vous a parlé tout à l'heure. Parce que moi, j'arrêtais pas de lui prêcher que c'était pas bon et que Dieu ne faisait pas d'exception pour tel ou tel enfant, qu'on était égaux aux yeux de Dieu. Mais elle me prétendait que, effectivement, ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'elle a tellement chipoté dans le péché qu'elle a eu même la vision d'un ange de lumière qui s'est présenté comme étant l'ange Gabriel, qui lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Donc pour elle, elle était dans le bon et que ce mari allait divorcer de sa femme pour se marier avec elle. Donc elle vivait sa vie en pensant qu'elle était consciemment une bonne enfant de Dieu. Et comme on dit, on a des alliances avec le Seigneur. Moi, quand je me suis convertie, j'étais pour moi, dans ma tête, j'étais bien. Je gagnais ma vie, je voyageais tout le temps. Quand je voulais partir, j'avais ma maman qui gardait mon fils. J'avais l'impression que tout allait bien. Mais moi-même, je m'enfonçais dans un secteur professionnel qui m'a donné tout de suite un esprit de Jézabel. J'avais la sirène des eaux, j'étais aussi possédée, on peut l'imaginer, vu que je ne connaissais pas du tout le Seigneur. Et j'ai changé radicalement. Et c'était le secteur du cosmétique, pour peut-être affirmer. Donc la séduction est très forte. Pourtant, j'étais pas ni mannequin, ni vendeuse. Non, j'étais commerciale. Il fallait que je trouve des contrats, en fait. Mais ça m'amenait à recevoir très souvent des hommes d'affaires. Et je commençais à développer une attitude que l'éducation que ma mère m'a donnée, ça ne la glorifie pas. Et ça ne glorifiait certainement pas le Seigneur non plus. Donc le Seigneur m'a vraiment soulevée au vol, parce que je commençais à être vraiment démoniaque. Mais pour revenir à la semaine de ma sœur, elle a beaucoup mélangé. Elle avait le chapelet à la maison, elle avait un livre de saints, elle parlait du coq à l'âne au niveau des églises du système. Et elle a eu une semaine de Pentecôte où là vraiment tout a valsé, parce que dans une église, je tairai le nom, elle a eu une semaine où il y avait une semaine de jeûne, où il fallait qu'elle jeûne, aller prier là-bas. Elle est revenue avec le feu en disant qu'elle avait eu qu'elle a eu son baptême de Pentecôte. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Bien avant la semaine où elle a commencé à délirer, elle délirait déjà. Et moi, Dieu me mettait à cœur vraiment de prier. Donc moi-même, je m'étais mis en jeûne. Et Dieu était déjà au contrôle. Donc la semaine où elle a déliré, elle était vraiment, vraiment, vraiment loin. On n'avait jamais, je pense que même dans les films que j'ai vus, je n'ai jamais vu une démence aussi. L'exorciste, elle avait, à un moment, je lui ai demandé qui elle était. Et 2 jours plus tard, elle m'a répondu qu'elle était Légion. Elle avait des esprits guerriers comme pas possible. Elle nous a tous tapés. Elle insultait, elle crachait. Elle faisait ses excréments où elle était. C'était la totale. Et Dieu a vraiment permis que l'on puisse la libérer à la maison, en famille, parce qu'on habite un 7e étage dans un immeuble social, donc de grande famille. Et personne ne s'est plaint, or que d'habitude, même quand on tire la chasse,
Voilà. Donc, c'était très dur. Je ne savais pas comment faire. En tout cas, là, j'avais beau prier, le Seigneur aussi m'a, entre guillemets, m'a donné ma leçon. Puisque j'étais très... je disais toujours être famille. Je disais toujours que j'étais une fille qui aimait la famille. Mais le Seigneur vous montre vraiment les profondeurs de votre cœur. Quand vous vous convertissez, il commence à travailler votre cœur. Il est encore en train de travailler là en ce moment. Et c'est très dur. Et voilà, il fallait que tout le monde se répande. Donc on s'est tous mis à genoux. On devait se répandre. Bon, ma soeur a 40 ans. Moi, je suis la cadette, j'ai 33 ans. Et il fallait qu'on aille 20 ans en arrière. On essaye de se repentir de tout ce qu'on avait fait. Donc c'est une grâce. C'est vraiment une grâce énorme qu'on a eue. Il n'a pas arrêté de nous bénir depuis qu'on a passé cette étape. Et je remercie le Seigneur parce que je suis... on n'est pas digne de recevoir cette bénédiction. Vraiment, je sais même pas. J'ai pas de mots. Merci, c'est tellement peu. Je sais pas comment exprimer. La semaine où elle était. Elle voulait. En fait, le Seigneur voulait aussi qu'on reprenne chacun nos places. Parce que moi, j'étais la cadette, mais vu que j'avais une vie professionnelle assez agitée, je commençais à être la grande sœur. Je commençais à commander mon grand frère. Et ça. Le Seigneur n'aime pas le désordre. On a un Seigneur, vraiment un Dieu d'ordre. Et ce jour-là, il fallait que tout le monde reprenne sa place. Et donc, j'ai repris ma place de petite sœur. Et la délivrance s'est faite qu'en adoration. On a adoré le Seigneur. On lui a dit à quel point on l'aimait, à quel point on était égaré, à quel point on ne voulait plus pécher. À quel point on avait envie et la conviction de devoir s'occuper des enfants qu'il nous a confiés, parce que nous sommes que les nourrices des enfants que nous mettons au monde. On a compris beaucoup de choses en une semaine. Et franchement, il a fallu beaucoup prier, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup glorifié le Seigneur, bien au contraire de se plaindre ou de se lamenter après la repentance. Et le Seigneur nous a fait grâce. Vendredi au matin, j'ai vraiment entendu le Seigneur me dire, c'est bon, maintenant on peut l'amener à l'hôpital. Et elle était vraiment... la première fois qu'elle est arrivée en urgence à l'hôpital, elle était démente encore, elle avait encore tous ses esprits diaboliques, elle insultait, elle disait des gros mots, c'était horrible. Enfin voilà, elle était incontrôlable. Et le moment où on l'a laissée, le lendemain je suis revenue. Et comme Dieu est bon, ils n'ont pas voulu que je la revoie parce qu'elle était attachée, elle était sur calmant. Et comme elle est majeure, maintenant c'était l'État qui la prenait en charge en fait. Donc j'avais pas de droit sur elle. Et mais le Seigneur m'a permis d'être rassurée parce que dans un grand hôpital, j'entendais quelqu'un chanter. Alléluia, Alléluia. C'est là que j'ai compris qu'elle était délivrée et que le Seigneur est trop grand, le Seigneur est trop bon, il est puissant. Je tiens aussi à remercier le Seigneur parce que depuis que je me suis convertie, l'alliance que tu fais avec le Seigneur, il est trop fidèle. Le moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, en tout cas, on a trop joué avec nous. On est passé par beaucoup de difficultés au niveau de familial, au niveau de la spiritualité. Si c'est toi vraiment Dieu qui me parle, le vrai Dieu, l'unique, le Créateur, fais que toute ma famille se convertisse. Et en moins de 3 mois, toute la famille s'est convertie. Merci beaucoup. Le passage qui dit dans la Bible, je ne sais pas exactement où, qui dit que quand un esprit sort, oui, il revient cette fois plus fort. Alors dans mon récit, j'ai bien dit que j'avais eu ma délivrance.
par le canal de l'apôtre Chora, malgré que j'étais toujours avec cet homme marié, et que Dieu m'interpellait, me disait, laisse, Dieu, qui je suis, Seigneur, merci. Dieu m'a même interpellé de lui-même. Il est descendu de son trône et il m'a parlé, il m'a dit, je suis l'autorité. Ce jour-là, j'étais paralysée dans mon lit, j'ai pas su me lever de mon lit. Tout ça parce qu'il voulait me sauver. Dieu ne veut pas qu'on se perde. Il souhaite que tous ses enfants soient sauvés, ne périssent pas. On est un Dieu d'amour. On est un Dieu miséricordieux. Quel est le Dieu qui est parti négocier mon âme, qui était déjà en enfer, je méritais l'enfer. Beaucoup de gens croupissent là-bas. C'est horrible, frères et sœurs, c'est horrible. L'enfer existe. Moi, j'en doutais. Et je pense que c'est par ce doute-là aussi qu'il m'a fait voir les choses. Je doutais de l'enfer. J'y croyais pas. Tenez votre délivrance alors. Sortez du péché. Cherchez le message de vérité. La première pierre que je jette, c'est sur moi-même. Parce que je me suis abandonnée auprès des pasteurs, auprès des églises. Je n'ai pas ouvert ma Bible. Par moi-même. Savoir qu'est-ce que dit la parole par rapport au péché. Hein? Ces églises où il y a des pasteurs qui mariés, remariés, on ne comprend rien à leurs histoires, où on dit que non, hein, au temps de Moïse, Abraham, il y avait plusieurs femmes, c'est pas grave. Où on vous dit que le divorce est acceptable. Tout ça, ça vous voile les yeux, ça vous met dans l'erreur. Je vais lire les phrases que le Saint-Esprit m'avait mis avant que je tombe dans la folie extrême. C'était vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Je les ai découvertes en sortant de l'hôpital, en fait. La clé du séjour des morts et le séjour des morts m'appartiennent, dit le Seigneur. L'œuvre de Dieu est une œuvre qu'on ne brisera jamais. Dieu, notre maître, nous préserve de la mort. Ce qui n'est pas de Dieu est sale. Je vous ai tellement aimé que je sais ce qui est bon pour vous. Car je vous ai racheté au prix de ma chair. Voilà. Thank you.